Il est bien connu que les humains chassaient des animaux pour se nourrir depuis le début des âges. Par conséquent, la viande est l'une des premières sources nutritives pour les humains. Des preuves archéologiques montrent que la domestication de diverses plantes et d'animaux a commencé dans 6 régions différentes dans le monde entier avec les premiers établissements humains il y a 7 à 10 milliers d'années. L'objectif principal de ce changement révolutionnaire, qui a commencé d'abord dans les ceintures tropicales et subtropicales de l'Asie du Sud-Est, Asie du Sud, de l'Afrique du Nord et centrale et de l'Amérique centrale, était d'améliorer l'agriculture et bénéficier plus efficacement du lait, de la viande, la laine et la peau des animaux. L'étape clé de l'élevage, qui existe depuis des milliers d'années, était d'étendre la culture de l'élevage dans des zones fermées afin d'obtenir de la viande plus rapide et plus savoureuse des animaux et de développer l'alimentation animale. Le prix de la viande a été rendu abordable et donc augmenté la consommation de viande grâce à l'éventail élargi de sources d'aliments pour animaux tels que le trèfle, le maïs, l'orge, le blé et le soja, les résidus de graines oléagineuses, de la mélasse et les aliments d'engraissement intensif. L'inventaire mondial de bovins est aujourd'hui de 1,3 million de têtes. L'Inde et le Brésil détiennent environ 30% du total des stocks de bétail mondial. L'Union européenne, la Chine, les États-Unis et l'Afrique orientale, connus sous le nom de Corne de l'Afrique, sont les autres grands pays d'élevage de bétail. L'inventaire mondial de moutons est aujourd'hui de 1,2 milliard de têtes. Et l'inventaire de chèvres du monde a atteint 1 milliard de têtes. La Chine et l'Inde sont les principaux pays au sujet de l'inventaire mondial de petits bovins. La demande mondiale de viande augmente. Cependant, l'augmentation de la consommation de viande varie considérablement selon les pays. La consommation de viande augmente très lentement. En fait, elle est presque venue à une impasse en Europe et aux États-Unis, qui sont les plus grands producteurs de viande du XXe siècle. La plus grande demande de viande dans le monde provient de la classe moyenne en croissance rapide en Inde et en Chine. Bien que la viande rouge soit un produit abordable dans les pays développés, elle est une nourriture de luxe dans les pays ayant de pauvres infrastructures d'élevage et ne peut apparaître que sur les menus des dîners spéciaux. Les recherches montrent que la demande de protéines animales augmente en fonction de l'augmentation du niveau de revenus, parce que la consommation de viande est un symbole de statut pour ceux qui ont de meilleurs revenus. Cependant, la consommation de viande est encore presque un luxe pour beaucoup de gens dans les pays en développement. L'écart entre les pays développés et en développement se révèle dans la consommation de viande. Alors que les gens satisfont les 56% de leurs besoins en protéines de produits d'origine animale, ce taux est de 18% seulement dans les pays en développement. La partie la plus importante de la transformation de la viande se fait dans les abattoirs où la viande est préparée pour l'usage industriel. Les Ouïghours ont établi les premiers abattoirs dans l'histoire et leurs traditions ont été poursuivies et développées au cours de la dynastie Seldjoukide après l'adoption de l'islam dans les périodes suivantes. Les premiers exemples des abattoirs modernes ont été construits au Xe siècle, pendant la dynastie Seldjoukide par la guilde des bouchers. Les bouchers abattaient les animaux dans des espaces publics en plein air, couverts sur les côtés. Ces abattoirs effectuaient la méthode d'abattage halal selon les règles islamiques et accordaient une attention stricte à l'hygiène. Les commerçants de viande, d'abats et de cuir avaient leurs magasins en dehors des murs de la ville et inspectés par les corporations des bouchers. Pendant les périodes ottomanes, la même tradition a été maintenue avec l'amélioration des mesures d'hygiène pour conserver la viande de bactéries et de gérer les déchets en particulier, tout en répondant aux besoins en viande du palais. Le premier abattoir à Istanbul a été construit en 1453, avec l'ordre du sultan Mehmed II, après que la ville a été conquise par les Ottomans. L'abattage des animaux en lieu public dans les rues a été interdit par une ordonnance impériale et certains endroits ont été affectés à des abattoirs publics. Le transport et la livraison de la viande après l'abattage a été réglementé. Comme le travail de boucher est un métier très difficile et salissant par sa nature, il a été réalisé par la classe la moins aisée et a pris un certain temps jusqu'à ce qu'il a été amélioré. Les bouchers étaient des gens infâmes, impliqués dans des intimidations et des combats, et les gens étaient effrayés d'eux. Par le même décret impérial de Mehmed II, il a été convenu de faire travailler les bouchers pendant 6 mois comme jardiniers et le reste comme bouchers pour qu'ils puissent garder une aptitude psychologique correcte.
Le premier abattoir aux États-Unis a été créé en 1640 dans l'État du Connecticut. Bien que les Européens aient appris le système des abattoirs des Ottomans, les abattoirs n'avaient pas été établis jusqu'aux années 1800 en Europe. Le premier homme d'État qui a compris l'importance des abattoirs, en termes de raisons de santé et de sécurité, était Napoléon Bonaparte. Le premier abattoir de Paris a été construit en 1807 sous les ordres de Napoléon. Par la suite, les abattoirs modernes se sont répandus en Europe, en Extrême-Orient et en Afrique subsaharienne. Après la Seconde Guerre mondiale, le stockage à froid a commencé à être utilisé dans les abattoirs et l'accès à la viande plus saine et plus abordable est devenu possible. Des niveaux élevés de protéines et d'acides aminés essentiels contenus dans la viande ne peuvent pas être produits dans le corps humain. Il est donc important de les prendre par l'alimentation. En outre, la viande est considérée comme la principale source de zinc, du magnésium, du fer, du phosphore et du cobalt, qui sont des sels minéraux nécessaires à l'organisme humain. En particulier, le fer contenu dans la viande est la forme de fer la plus facilement absorbée par le corps. Ainsi, la consommation de viande est conseillée aux personnes souffrant d'anémie. La viande et les produits carnés sont de bonnes sources de vitamine B complexe de thiamine, riboflavine, niacine, biotine, B6, B12, acide pantothénique et de l'acide folique. La transformation de la viande dans les abattoirs modernes et de type halal suit une procédure comme suit. Tout d'abord, les animaux transportés sur des distances différentes sont rassemblés dans des espaces d'attente appelés enclos ou stabulations qui peuvent être conçus et disposés en fonction du nombre d'animaux. Afin d'obtenir de la viande de qualité, il est conseillé de minimiser le niveau de stress des animaux dans ces endroits. Par conséquent, ils doivent être maintenus dans des enclos au moins un jour pour concevoir une période de repos et de préparation pour l'abattage. Après avoir attendu dans les enclos, les bovins sont acheminés vers la section de l'abattage. Les animaux sont tournés vers la Mecque et abattus dans le box d'abattage spécial précédé par les mots « Au nom d'Allah, Bismillah », puis on laisse l'animal saigner pour une période déterminée. D'abord, les pieds et les cornes sont coupés. Les organes internes sont retirés après le dépeçage et la carcasse est divisée. Après le contrôle vétérinaire, le nettoyage, le parage et les processus de pesage, la viande est envoyée au pré-refroidissement, puis au stockage à froid jusqu'à son expédition. Ça ne prend pas plus de 20 minutes pour passer de l'abattage de l'animal à l'entreposage frigorifique. Les ovins sont acheminés vers la section de l'abattage après une période d'attente dans les stabulations. Ils sont tournés vers la Mecque, abattus en récitant Bismillah, et leur sang est drainé du corps. L'animal abattu est dépecé, puis les organes internes sont retirés. Le pré-refroidissement suit le contrôle vétérinaire, le nettoyage général, le parage et le pesage, puis la viande est envoyée vers la zone de stockage à froid. La question la plus vitale du marché des abattoirs modernes est non seulement d'assurer l'abattage des animaux selon des règles islamiques et d'hygiène, mais aussi de stocker la viande avec la bonne technologie appropriée. La viande est plus facile à stocker et traiter par rapport à la volaille et aux poissons et se conserve plus longtemps. Cependant, la carcasse est très importante pour le refroidissement et le stockage de la viande, et en termes de prévention de sa détérioration et du maintien de sa fraîcheur pendant une longue période. Le taux de perte de poids de la viande après avoir été pesée et pendant le refroidissement devrait être inférieur à 2%. D'autre part, une variation de la couleur de la viande vers une couleur brune et meurtrie réduira sa valeur de marché. Par conséquent, il est très important que les systèmes et les capacités de refroidissement soient conçus et construits avec précision. Une autre question importante est la durée de stockage pour maintenir la fraîcheur de la viande. Après que la viande est retirée de la carcasse et coupée en morceaux, elle peut être conservée dans son emballage sous vide, dans les entrepôts frigorifiques, sans congélation, pendant 60 jours en maintenant sa fraîcheur. Il est possible de prolonger la durée de conservation de la viande fraîche jusqu'à 90 jours avec une simple procédure préventive supplémentaire. La seule et unique façon de procéder est de réduire et de maintenir le pH de la viande à 5 ou 6, tout en sachant qu'à l'abattage, le pH de la viande est d'environ 7. Cette méthode améliorant le goût de la viande crée aussi des opportunités commerciales dans les pays demandeurs des grandes quantités de la viande fraîche. La viande de carcasse est la principale source de matières premières de l'industrie de la viande et du commerce mondial. Alors que les bouchers approvisionnent le marché de la viande au détail à partir de ces carcasses, tous les autres produits traités à base de viande sont également produits avec la viande retirée des mêmes carcasses.
Même si vous avez la bonne race animale et la bonne façon de nourrir l'animal, vous devez obtenir la bonne carcasse de votre animal. Respectons et protégeons notre viande. Et n'oublions pas la consommation d'eau et d'aliments qu'il faut pour obtenir un kilo de viande.